Elle était nationale, voilà. La marraine de la first class, aujourd'hui, elle a un an de plus. Voilà, donc on va la célébrer. Donc si vous pouvez mettre la photo, ça va vraiment faire joli, s'il vous plaît, famille. N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup à Trop tous. belle, trop magnifique, notre marraine d'amour. La mère Glaglan, on te voit, hein. La mère Glaglan, on te voit. Attends-moi, j'ai des dessins pour revenir. La mère Glaglan, faut retenir ta caméra, on te voit. Yes, Voilà, il a on dit. voit. On a vu Aïe! une chaîne de qu'on a vu qu'on a essayé. Quoi, ils en vont? Pas gauche. Eh Dieu! Et moi, je vais. Mais ils sont où même? Quoi, ils T'as ont en gauche, regardé mais c'est après, forcé. il y a Eh des Dieu! Quand elle lui fait mal, elle laisse pas! Oh! Eh! La On mère a un a peu dit, j'ai quoi dit Dieu? Elle va maintenant montrer la dread. Elle va montrer maintenant ses dreads maintenant. C'est locks. Mais C'est Lox, locks arrêtés. En tout cas, les dreads sont arrêtés en comptez, il fait. y en a 8. Non, mais les Les locks sont dreads arrêtés sont en fait. arrêtés en fait. Bon, pour ceux En qui disent qu'ils n'ont fait. pas la photo de la marraine, la Pâté sur la page de la Poutine. La Poutine a mis son profil. Pâté, fais la capture sur la page de la Poutine, s'il vous plaît. Lui, la photo même est partout. Sur Voilà, fais moi-même, attention. sur mon profil. J'arrive pas à retourner ma caméra, non, de bleu. Glaclan, c'est quelle marraine? C'est quelle marraine? La La photo. marée mystique. La marraine de la first class. Ah, d'accord, ma personne personnelle. Ok. Madame Patou, Donc, regardez la petite je fille, mets elle sur se promène. Instagram. Là, je l'ai attrapée. Maman va dormir, hein. La petite fille, elle dort pas. Il est pas aux États-Unis. Madame Patou, maman, tu te promènes la nuit, hein. Il est 16h, il est 10h, non, il y a 6h Il y a 6 heures d'écran. Et tu dors pas. Hein? Tes camarades donnent, demain tu vas pas à l'école. Et où, madame Patou? Tu rappelles là. Il est 10h53. Je te dis, Justine, il est midi. toutes les marraines de la first class sont belles. Toutes les filles de la first class sont belles. Il n'y a pas vilain chez nous. Elle est à dialogue. Il y a une qui dit, madame Patou dit qu'elle a envoyé sa demande. Maman Patou a envoyé sa demande. Elle a envoyé sa demande, s'il vous plaît. Je descends et je me mute. Les modos, les modos, les C'est modos. à cause de moi que. Non, elle est en privé, je pense. Ah, d'accord. Je vais descendre, je vais me muter. Mais je ne suis pas en privé, mais pourquoi la photo n'apparaît pas? Elle est en haut. Maman, tu dors Bien pas. en haut. Ma grande, tu as quel problème? Ah, Moi, tu n'as pas. Tu as été à l'école le matin. je suis au Bénin, je ne suis pas à l'école. Tu n'es pas là à l'école ce matin. Il n'y a pas Non. de quelqu'un qui a fait ton diplôme. Bientôt, on va ouvrir notre agence des enquêtes impossibles. Tu sais quoi? Je n'ai pas pu payer ma scolarité, ils m'ont renvoyé. Oh, envoyez-moi le million. Le million que vous donnez pour élever là. Rendez-moi mon million. Pardon, faut payer ma scolarité. Je vais plus à ce moment-là payer. On a besoin des secrétaires de nos bureaux, des enquêtes impossibles. Ah, d'accord. Quelqu'un n'a pas pu payer, il allait dormir depuis hier, madame Patou. Depuis hier, 19h, j'ai lancé là. J'ai fini à 14h. Je n'ai pas dormi qu'à maintenant. Mais il y a quoi? C'est pourquoi? C'était trop doux. Causerie sur causerie jusqu'à 6h. J'ai fermé les yeux. Il descend au gagla. Il va prendre la photo là sur ta D'accord. page. Il J'ai descend, je fermé n'arrive les yeux pas. net. Anniversaire des marraines mystiques qu'on a fêté jusqu'à 13h. La nuit là? Il y a nuit? Ce Maman matin. Patou. Ah, Maman ok. Patou, Maman Patou, tu cherches les histoires, Maman Patou, tu cherches les histoires, Maman Patou. Maman Patou, D'accord. tu cherches les histoires. Quand tu es monté là, tu as oublié de faire quelque chose. Tu cherches les histoires, Maman Patou. Il devait faire quoi? Dis-moi, chérie. Voilà, c'est bon. Je me mute. Oh, chérie, bisous, ma chérie. Il y a mon fils qui est là aussi. Il y a qui encore? Délice. Il y a. I love you, Il y mi a Denise qui amore. est là. Bisous, bisous, maman Patou. Love you Au fait, more. normalement, que moi partout me trouve quelque part, il doit dire chance. Voilà, et puis le live commence. Sinon, c'est pas Bonsoir, maman La quince-quince. Oh, il y a ma Vivi qui est là. Ma Vivi d'amour. Vivi, moi, Oui, Vivi, quand elle est venue là, faut pas me faire comme maman Clara. Hein.
Non, je suis... C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, maman. Je vais te recevoir avec les honneurs. Parlons des moments calmes. Qui a vu le clash cette nuit? Je me mute, oh, je me mute. Qui a vu le clash cette nuit, hein? C'était sucré des... La grande, c'est moi. Je dormais. Donc, j'ai pas suivi les gbérés. Les gbérés m'ont laissé deux jours là. Et mon magistrat, quelqu'un peut me parler? Eh, mon patron va revenir à faire des magistrats là. Le magistrat, il est encore au news là-bas. Ils n'ont pas encore libéré. Ah non, magistrat. Vous avez mal fait. Hein? Ah. Magistrat, c'est ma personne. Hein? Il faut libérer mon magistrat. C'est pas joli. Ah. Chance, oui, elle est là. Chance, j'ai perdu mon micro sur mon écran. Mais on t'entend, hein, la grande sœur. Tu n'as pas perdu ton micro. Ton micro est affiché. Oui, tu peux appuyer sur ton nom, même ton nom, voilà. Sur ton profil. Ça a sorti, tu n'as pas perdu. Maman Patou, comment tu vas? Je vais bien, oh, maman. Tu vas? Ok. Glagla, je vais mettre des choses au clair parce que. Vous m'entendez? Oui. Lui, on t'entend la boutique. Maman, là. Je vais mettre les choses au clair. Tu sais. Mais quelqu'un peut me muter, je n'arrive pas à me muter. Il y a quoi? Muter, truc. Je vais mettre les choses au clair. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe pas encore? Ok. Attends, muter, maman, pas toi, c'est pas comment se muter. Voilà, c'est bon. Je vais mettre les choses au clair. Tu sais, moi, je suis quelqu'un. Il y a des choses que je vois, hein, mais je ne dis rien. Si vous remarquez, cette maman-là, au départ de titre de Facebook, départ, quand je voyais ces vidéos, c'est quelqu'un qui me clashait pour donner à l'influenceuse que vous connaissez là. Parce qu'elle soutenait l'influenceuse. Donc moi-même, m'insultait, me clashait, tout ça. Mais je n'ai jamais répondu parce qu'elle me suis dit, hey, mais une maman comme ça, là, quoi, moi, tout ça, j'ai tapé l'œil. Et puis un jour, elle a fait un live de conseils. Moi, j'ai apprécié. Je suis passée sur son live. Je l'écoutais parler. Et puis, je lui ai donné des cadeaux. C'est comme ça, c'est parti. Et quelques temps après, il y a ma maman Nico. Elle est partie chez maman Nico pour lui donner des pagnes, des bijoux. Ce que j'avais mis pour faire l'entrée de Kilou, là. Le pagne. Oui, c'était le pagne. Et puis, les tout coucou, là. C'est ce qu'elle a donné. Quand elle est partie donner à maman Nico, j'ai dit à maman Nico que les histoires d'Internet où on est ensemble. Et puis après, il y a un discours, là, il ne veut pas. Demande à demander à maman Nico. C'est resté chez elle pendant au moins 3 semaines. Il ne voulait même pas aller prendre. C'est maman Nico qui m'a dit non, c'est une bonne personne et tout. En tout cas, elle me montrait ça bien. Je ne l'avais même pas son numéro. À l'époque, je n'avais pas son numéro. Ça dit que je l'avais jamais composé son numéro comme pour l'appeler. Quand elle voulait me crier, elle m'écrivait sur TikTok. Et puis après, c'est maman Nico même qui m'a encouragé à lui donner ma confiance. Et puis j'ai commencé à voir que elle faisait vraiment, elle me valorisait et tout. Donc moi après, je suis partie dedans. Ce qui se passe, c'est que si vous remarquez, à chaque fois que quelqu'un m'insulte, malgré que je t'ai avec elle, quand quelqu'un m'insulte, elle copie, elle met sur sa page. Pendant qu'on entend insulter mon enfant. Mais je ne me suis jamais plainte. Si vous êtes là, qui, ça veut dire que moi qui suis là, je vais aller enregistrer quelqu'un qui est en train d'insulter maman Patou ou bien Glagla et puis je vais mettre sur ma page. Mais je ne me suis jamais plaint. Elle met sur Facebook. Quand Odeur m'insulte, quand les autres m'insultent, on insulte Kilou. Elle dit que c'est son petit-fils. Kilou a sur son profil. Elle prend les captures des gens qui m'insultent là. Aimer. Les gens m'appellent. Mais ta maman, là, elle joue à quoi? Les gens sont en train d'insulter ta maman. On insulte ton enfant. Elle prend, elle met sur sa page. Je me dis non, il y a foi. C'est son travail. C'est son contenu. Je ne me suis jamais plaint une fois auprès d'elle d'une seule capture qu'elle a postée. Les gens m'appellent. Mais la maman, elle n'est pas vraie avec toi. Parce que tu ne peux pas dire que quelqu'un est ta fille. Et puis, ils vont l'insulter mal comme ça. Ou bien, ils vont insulter son enfant. Et puis, tu coupes la partie là. Tu déposes sur ta page. Tu écoutes les injures qu'on dit sur Kilou là. Tu écoutes bien les injures. Hein. Ce n'est pas des petites injures. Hein. Allez voir sur sa page toutes les vidéos de Kilou ou quoi. Comme on insulte Kilou et puis elle prend un poste. Mais je n'ai jamais fait discours de ça. Vous comprenez, non? Les gens me disent, Aya, fais attention.
moi-même, je dis bon. Je n'ai, ça dit que je voyais, mais je n'ai jamais fait d'histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand elle était... moi, j'étais là. Vous savez qu'à un moment, je dis que les clashs chez moi, c'est bon. Donc, même si tu m'insultes, je ne répondais jamais aux injures. J'ai eu les problèmes avec Waka. Je n'ai rien fait à Waka. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un venir l'insulter. Elle s'est levée un bon matin sur moi. Même quand Waka m'avait insulté Kilo, elle-même, elle a copié ça, elle allait, mais si ça passait chez elle-même que j'ai vu. Bon, je n'ai rien dit. Un soir, je dormais, m'a appelé. Vers, on dirait 2 heures du matin. Hein. Je ne savais même pas ce qui se passait sur TikTok. J'avais déjà fini de faire mon live. J'étais même, je ne dormais pas, j'étais en live. Non, je ne dormais pas, j'étais en live. On parlait, il y avait la fille qui s'appelle miracle de Dieu, là. Miracle divine, celle qui avait insuffisance rénale qui est passée sur mon live, la camerounaise. Là. Elle était, on avait l'ancien live pour elle pour faire un SOS. Pour que les gens lui viennent en aide par rapport à son insuffisance. Et maman de Carla m'a appelé. Elle m'a appelé, il était 2h du matin comme ça, 1h, 2h. Mais en pleurs et en toute crise. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait même pas à parler. Et tout, je dis, il y a quoi, j'essayais de... Pour ceux qui ont remarqué, j'ai même... J'ai quitté le live et je suis venue lui demander, il y a quoi. Elle n'arrivait même pas, j'essayais de la calmer. Elle dit que Wakatolog, avec les dentées et la sensuelle, sont en train de l'insulter parce que moi, elle m'a chargée, parce que moi, je suis sa maman. Elle est ma maman et que les gens sont en train de l'insulter. Elle a commencé à me balancer les vidéos là. Que les filles la sensuelle. Donc quand j'ai écouté, je n'ai même pas calculé quoi. Je suis revenue sur le live. J'ai dit à Étoile, Grâce Divine, de descendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à répondre maintenant à Wakatolog parce que je suis en live, arrêtez de m'appeler. Oh. Ça m'a pété un câble en fait. Ça m'a fait. Ça dit que ce jour-là, si vous avez remarqué, Clemsby m'était dessus, Marine m'était dessus parce que en fait, je me suis dit qu'elle est à l'hôpital. Vous n'allez pas venir vous acharner sur elle. Et puis elle était à l'hôpital, je crois. M'a dit qu'elle était à l'hôpital, que le truc là a fait qu'elle est tombée avant-hier, que depuis 2 jours à l'hôpital, malgré qu'elle est à l'hôpital, les gens sont sur elle. Je suis sortie ici parce que je ne voulais pas qu'à cause de ces personnes-là, que la dame la perde la vie. Et je suis restée avec elle. Je commençais à lui parler. C'est comme ça, après, les gens m'ont appelé, me dit que non, c'est pas les dames là, que c'est elle-même qui allait mettre sa bouche dans l'enfer. Elle a pris mon nom pour aller dans une affaire. Puis c'est comme si je n'ai rien compris. Les gens ont commencé à m'expliquer que je suis sortie pour rien. Que en fait, les filles même, ce qu'elles disaient là-bas, elles étaient en train de dire que de quitter derrière elle parce qu'elle va me mettre en problème. Elle prend qui lui met en profil, tout et tout. Et que c'est ce que les filles étaient en train de dire. Les filles ne m'insultaient pas. Mais moi, la capture qu'elle m'a envoyée là, ce n'est pas la même capture. C'est-à-dire qu'elle m'envoie une autre capture. Une autre, parce que moi, je ne regardais pas les vidéos de... Elle m'envoie une autre capture. C'est après, j'ai compris que ça a été une manipulation. C'est quand j'ai envoyé les captures, là, je crois, à Marane, mais à qui? Marane a dit, non, ce live-là, c'est un ancien live. Le live d'hier, voici le live d'hier. C'est comme ça, j'ai vu que, de toute façon, le même jour qu'elle m'a appelé, là, c'est qu'eux, ils ont dit, là, avec les vidéos qu'elle m'a envoyées, c'est pas pareil. Mais je n'ai rien dit. Mais je suis restée là, je l'ai soutenue, je ne voulais plus qu'elle sorte. C'est là que je me suis énervée, je suis sortie ici. J'ai dit que maman, arrête de sortir, parce que si tu sors pour venir faire les lives, moi je vais me fâcher et puis je vais enlever mon pied. Question de qu'elle arrête, la menacer, parce que si tu dis que tu m'aimes, c'est que si je pars, tu vas écouter. Question qu'elle arrête. Je suis restée avec elle. Sa camarade qui l'a su, la sait. Jour et nuit. Je reste au téléphone, je la soutiens, je ne l'ai pas laissée. J'ai pris sa photo même, j'ai posté sur TikTok ici, en profil, et puis j'ai même posté sur ma page pour lui montrer tout mon amour et tout mon soutien. Qu'est-ce que j'ai déjà fait à cette dame? Elle a déjà entendu que j'ai parlé d'elle quelque part? Non. Elle a déjà entendu que moi, Aya, je l'ai critiqué quelque part? Non. Toi-même, Glagla, tu es là. Quand tu te plains d'elle, je sais d'arranger, je sais de te parler. Influenceur, dès qu'on allume live sur elle, je monte sur vos lives. Arrêtez les filles, je ne veux pas. Pardonnez. Et puis vous coupez le live. Changez de sujet. Combien de fois, Glagla, je t'ai arrêté? Combien de fois tu m'as appelé pour me dire, faut aller lui parler. Je te demande pardon. Tu me dis à cause de moi. Influenceur, combien de fois, combien de personnes? Mais je vous dis toujours, laissez. Quand elle est en live, je monte là-bas, je lui parle. Je n'ai rien fait à cette dame. Quand elle est sortie de sa maladie, elle m'a appelé. Elle a voulu faire ma sortie, la sortie de moi et Kilo. Sur un bateau et tout, parce qu'elle a été, elle a vu que j'ai été avec elle. Je ne voulais pas la faire dépenser. Donc, je n'ai pas accepté. Au départ, je dis non,
elle est malade, je vais pas. C'était tout frais payé par elle. Je lui ai dit non, maman, faut laisser. Donc, je sais pas si c'est ce que l'a frustré ou bien je ne sais pas, j'ai pas compris en fait. Mais jusque il y a même pas un mois, je l'ai eu au téléphone. Je l'ai eu au téléphone, on s'est appelé. J'avais besoin de quoi? Je voulais même faire un PayPal ou bien un PayLib. Je voulais qu'elle fasse un PayPal à quelqu'un et puis moi j'allais un Orange Money à quelqu'un et puis moi j'allais lui faire un PayLib. Je sais pas un truc comme ça. Je n'ai aucun problème avec elle. Mais ce qui fut ma surprise, c'est que je la vois dans des lives où on m'insulte, elle est là-bas. Les mêmes personnes qu'elle est venue me dire, ils l'ont traînée là. Elle s'est retrouvée, ces personnes-là. Elle est dans leur live, en train de commenter. Quand on parle de moi, elle est là-bas. Avant-hier, on m'envoie capture. Ils ont mis ma photo à un poisson. Moi, ils m'en fous. Eux, là, ils peuvent me dire quoi. Moi, je suis une personne réelle, on me voit. Mais elle est en haut là-bas, avec sa camarade, les deux là. Je vais vous faire écouter. Parce que moi, ils ne parlent pas. Je ne parle pas sans... Je ne parle pas sans, sans preuve. Attends, où sont les captures là? Où sont les captures là? Vous allez écouter. Où sont ces captures là même? Tellement. Ils l'ont mis en grand même. Si le soleil de nos yeux ne sert parce que vous nous intoxiquez. Non, il y a eu trop de manipulation, il y a eu trop de mensonges. Il y a eu trop de manipulation et de conflits d'intérêts. Et j'ai dit, quand j'écoutais même la capture de Bénédicte qui a joué là, ça m'a encore plus éclairé et ça m'a donné plus la foi que rien ne va sortir. Je vous dis, hein, on n'est pas obligé d'être prophète pour savoir que Dieu, il nous parle. C'est le gros bébé là qui est venu rendre le béret de Ren Lou. C'est lui-même, c'est pas lui, ces petites erreurs de live, de yeux, de foule qui cherchent là. Qu'on va trouver des pièces à conviction pour faire sortir Ryan. Parce que quand il vient dire que. Ryan, il est parti, il a mis quelqu'un en prison injustement. Alors qu'il avait accompagné Ryan lui-même. Alors que depuis, il y a des panels qui sont en train de dire que oui, c'est combat de Eudes que tout le monde est en train de faire sur TikTok. Là, ils ont dit non, que ce n'est pas combat de Eudes. Voilà, dit que gros bébé, même, il est venu confirmer ça. Oui. Et c'est maintenant, il dit voilà une femme qui est sortie d'un dos. Il a confirmé ça, hein? Quand il dit photo de Ryan est sortie sur panel là, est-ce que c'est pas le gros bébé là qui a envoyé les photos là même aux gens? C'est lui, il est à la base de tout. Non, mais de toute façon, il a noué là. Dieu va le pousser un peu, il va dénouer. Et puis la photo du monsieur là, le monsieur faisait quoi? Celui-là, même là, voilà, je n'ai même pas envie d'écouter. Le live est long. Je vais vous mettre une capture. Je vais vous mettre une capture que je vais enlever rapidement. Je ne sais pas. Vous voyez cette capture-là, vous la voyez en haut là-bas, non? Vous la voyez en haut? Oui, oui. Non, moi j'ai vu le live. C'était chez quelqu'un qui dit que moi, je suis sa fille. Elle se retrouve sur des lives. Elle se retrouve sur des lives. Ok, Liane, reste tranquille. Elle se retrouve sur des lives où on prend ma photo, on met poisson à côté. Je m'en fous même de ça. Parce que c'est pas aujourd'hui, moi, on m'insulte. Elle est en haut, là-bas, pendant qu'ils sont en train de m'insulter, pendant que ma photo est accrochée là, elle assise, là, Kylian, arrête. Elle assise en haut, là-bas, en train de rancherie avec eux. Elle n'a pas besoin de m'insulter, elle n'a pas besoin de dire mon nom, mais elle sait que le sujet parle de moi. Je lui ai fait quoi? Elle vient s'asseoir pour dire qu'on les a trompés, c'est-à-dire que nous, on les a manipulés. Que affaire de Cécilia là, nous on allait mettre Cécilia en prison injustement. Qui a fait le combat de Cécilia ici? C'est pas moi qui elle-même elle a vu que c'est moi qui ai fait le combat de Cécilia ici. Quand tu vas t'asseoir sur le panel et toi et puis ta camarade pour dire qu'on vous a manipulé comme si toi combat de Cécilia on t'a déjà vu quelque part ou bien on t'a vu ou je ne sais quoi.
et tu es assis sur le panel où on m'insulte. Je ne lui ai rien dit. J'ai vu tout ça, je ne lui ai rien dit. Maintenant, ils sont en train de... Mado en train de t'insulter. Tu vas lancer live pour dire que pourquoi moi, je ne viens pas dire à Mado d'arrêter de... Tu es malade. Ou bien ceux-mêmes qui disent ça, vous êtes malade, ça va pas dans votre tête. Vous-même qui dites ça, c'est ma bouche que vous cherchez. Ça va pas dans votre tête. Elle se retrouve sur des panels où on m'insulte, on me caricature, on me traite de tilapia, on insulte mon enfant. Elle est assise là-bas. Elle renchérit et eux, même si elle ne m'insulte pas. Même, c'est vrai que je n'ai pas encore eu une capture où elle m'insulte. Mais elle est là. Elle renchérit. Elle est assise là. C'est moi, ma photo qui est là qu'elle est là. Elle dit pas non, comme je suis là, enlever la photo de Aya. Ou bien, descend quand il n'y a pas ma photo, elle monte. Et puis si quelqu'un est en train d'insulter son en bas d'elle ou bien quelqu'un est en train de la traîner dans la boue, vous allez me dire moi de demander à Mado d'arrêter. Vous êtes malades. Ne m'énervez pas, hein. Vous savez, ça fait combien de temps elle fait ça? Et puis je ne lui dis rien. Avant, elle est montée sur mon live ici parce que Fatou est venue ici. Fatou a dit qu'elle lui a donné de l'argent. Je l'ai laissé monter. Pourtant, je la vois en train de partir où on m'insulte. Mais je ne lui ai jamais... Demandez-lui si elle est déjà appelée pour lui dire « Allô ?» Pourquoi tu vas dans les lives où on m'insulte? Je ne lui ai jamais rien dit. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle fait ça. Même quand on m'insulte, elle capture, elle va mettre sur sa page. Elle dit, elle suit sa fille. Mais quand les gens m'insultent, insultent mon enfant là, elle capture, elle met sur sa page pour avoir sa visibilité. Je ne lui ai jamais rien dit. Donc si les gens l'insultent, ne m'associez pas à ça. Faut pas que quelqu'un m'appelle. Vous avez compris? C'est pas ma mère, elle la connaît pas, elle m'en fout d'elle. Si les gens veulent nous l'insulter quand demain, je n'en ai rien à foutre. Maintenant, je vais vous dire, moi, mes first class, je les connais. Fanny, elle n'est pas first class. Elle n'est pas first class, je le dis ici, hoïra. Elle n'est pas first class. Je ne sais pas ce qu'elle aime, mais elle n'est pas first class. Donc, si elle fait ses conneries, qu'elle enlève le nom de la first class dans sa bouche. Parce qu'elle-même, Fanny, je ne lui ai jamais rien dit. Je la vois faire ses trucs. Je la vois, tout ce qu'elle fait, je vois. Je ne lui ai jamais rien dit. Je ne l'ai jamais appelé pour dire que pourquoi si les gens m'insultent, tu te retournes sur les panels, tu dis que tu es avec Aya, c'est mon nom, tu as pris pour venir sur TikTok ici. Mais regarde, je t'ai déjà fait quelque chose. Tu as eu problème ici, j'ai été là. Mais regarde ton comportement, je ne lui ai jamais rien dit. Donc je vais vous dire à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus que quelqu'un m'appelle concernant Fanny. Je ne suis pas sa mère, je ne suis pas sa sœur. Elle n'est pas first class. D'accord? Elle est libre d'elle. C'est une mère de famille, on ne m'associe plus à elle. Trop, c'est trop. C'est pas parce que je ne dis rien de tous les conneries que les gens font que je suis bête. Non. Vous avez compris? Donc, plus jamais, Fanny, plus jamais tu vas placer ta caméra pour parler au nom de la first class. Tu n'es pas first class. Je ne sais pas ce que tu es, mais tu n'es pas first class. Trop, c'est trop. Vous m'utilisez, vous pensez que je suis votre merde. Je ne suis pas votre merde. D'accord? Quand vous avez besoin de moi, là, ah, il y a un gentil, vous courez, vous venez. Une fois qu'on finit de vous rendre service, vous tournez la veste et vous regardez. Donc, je vous dis aujourd'hui, si quelqu'un prend son téléphone pour m'appeler, pour cette vieille-là, vous n'allez pas croire. Je ne veux plus qu'on m'appelle pour ça. De la même façon, elle est libre. Je ne l'interdis pas d'aller où elle veut. Je dis, ça fait plusieurs, ça fait au moins des mois, je la vois faire ça. Attends. Ça fait des mois, je la vois sur des panels, en train de partir où on m'insulte. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour l'appeler, pour dire, madame, pourquoi tu me fais ça? Je ne lui ai jamais dit quoi que ce soit. Je reçois des captures. Je ne lui ai jamais dit quoi que ce soit. Je ne me suis jamais plaint. C'est hier que je me suis désabonnée d'elle. Sinon, j'étais abonnée à elle. Même quand je parlais avec elle, elle dit, c'est ma maman là. Elle prend des vidéos où on m'insulte. Elle reposte. Je ne lui ai jamais dit, pourquoi tu postes ce genre de vidéos sur moi? Je n'ai jamais dit ça. Je ne suis pas celle-là qui m'isole les gens. Moi là, tu es libre avec moi. Tu es libre de partir où tu veux. Mais quand ils voient que tu es traite, ils m'enlèvent. Parce que moi, Je suis prête pour mes first class. Une first class, ma first class n'a pas de problème. Et puis, elle m'assoit et puis elle me tait dessus. Jamais. Quand mes first class ont problème, ils me lèvent ici. C'est pas, je suis la maman. Combien de personnes ici sur la toile qui le font? Dites-moi. Combien de personnes? Ils souvent même vont chercher des problèmes. Je n'ai rien à voir dans les problèmes. Mais je prends forcément les pots cassés. Quand ça, moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Si il veut m'adresser à toi, là, j'allume ma caméra. Qui peut me faire quoi sur la toile et puis y envoyer quelqu'un? Qui peut me faire quoi? Et si ma mère doit t'envoyer, papa, je le dis devant les gens avant de t'envoyer. Et c'est normal. C'est ma team. Si ma team me défend, c'est ce qui est juste. Donc, je vais vous dire aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a un groupe de personnes même à qui je me suis retirée tranquillement. Je n'ai rien dit dessus. Je me suis retirée. Parce que je n'aime pas les opportunistes.
Et je vais vous dire, de la façon dont vous venez dans ma vie, et puis vous repartez là, mais personne n'a libéré les. Vous avez compris? De la façon dont vous venez en tant que first class, on vous voit ici, je suis first class de Aya, vous prenez mon nom là, mais personne, parce que quand vous partez là, vous accélérez mes personnes. Vous partez voir mes personnes, parce que mes personnes vous aident par rapport à quoi? C'est votre personne, vous les connaissez? Vous prenez mes personnes, vous vous accaparez de mes personnes, vous vous accaparez de mes first class, vous les prenez, vous créez un groupe, vous vous réunissez à vous. C'est que ceux qui sont bons là, ils trouvent que c'est pas des vraies personnes. Parce que si tu es une vraie personne là, si tu es là pour Aya, tu vois Aya n'est plus avec quelqu'un, tu fais quoi la personne? Moi je suis comme ça, moi je suis loyal. Je ne suis pas lâche. Je suis une personne loyale. Si je suis à toi et marche avec toi, tu es ma personne. C'est à cause de toi que j'ai connu telle personne. Le jour où tu n'es plus à la personne, je ne suis pas là-bas. Si je suis la personne, ça veut dire que j'étais à toi par intérêt. Donc, toutes les personnes qui étaient à moi, qui ont fait un groupe aujourd'hui, qui se sont entassés ailleurs, là, je considère qu'ils n'ont jamais été avec moi. Ils ont été là par intérêt. Sinon, vous cherchez quoi là-bas? Donc, il ne faut pas qu'on m'associe à ces personnes-là. Les vraies personnes qui sont avec moi, je les connais. Donc, je le dis ici. Je cite le nom de Fanny parce qu'elle en parlait au nom de la first class. Il ne faut pas qu'elle parle au nom de la first class. Elle n'est pas first class. Je le dis ici et puis j'assume mes dits. Voilà. Donc, ne me prenez pas la tête. Ne me prenez pas la tête. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à l'insulter. Ils n'ont qu'à insulter cette vieille laïque des milliers. Ils n'en ont rien à foutre. Ce n'est pas ma mère. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais connue. Je le dis ici. Voilà. Donc, tous les jours, je ne parle pas parce que c'est super bête. Hein. Vous avez fait ici, là. Qu'est-ce que Waka m'a pas dit ici? Je n'ai jamais rien fait à cette... C'est-à-dire que Waka, t'es là, qu'elle est là. On avait fait par là. Je ne vais même pas appeler ça par là. On a fait la paix depuis ce jour-là. Qu'est-ce que moi, je lui ai fait pour que moi, il me fasse insulter, mon enfant me fasse insulter par elle? Mais il a accepté. J'ai accepté ça parce que c'est assise. C'est-à-dire que c'est moi qui vous envoie pour l'insulter. J'ai accepté ça, j'ai bu l'eau dessus. Je n'ai rien dit. Parce qu'il a dit, je prends ma fesse quand je suis avec vous. Mais c'est les mêmes là. Qui retournent leur veste. Cette maman de Carla là, comment je suis sortie pour elle ici? J'ai juré, je me suis juré sur la tête de mon enfant de ne pas répondre à Wakatologue. Je me suis juré de ne pas lui répondre. Elle m'insultait, il ne répondait pas. Il dit, mais à cause d'elle, je suis sortie sur cette elle. Aujourd'hui, elle va se retrouver avec les gens, on m'insulte, elle dit rien. Elle s'assoit même sur panel là. Elle est là, on est en train de m'insulter. Je t'ai fait quoi? Il y a problème entre Aya et toi? Non. Aya t'a manqué de respect? Non. Aya t'a déjà insulté, non. Aya t'a pas respecté, Aya t'a jamais... Ici, il y avait un problème entre vous. Il n'y a rien entre elle et moi. Rien. Tu te lèves un bon matin. Tu commences à changer de ta... pour retourner ta veste. Je te regarde faire, je te dis rien. Avant, si elle est montée sur mon panel ici, est-ce que vous m'avez vu la jeter? Je l'ai écoutée. Malgré que, comme elle s'appelle la dame, elle s'appelle comme moi-même. Fatou est en train de parler là. J'ai bien parlé de Maman de Carla. J'ai dit quoi? J'ai dit, ah, c'est. J'ai dit, Fatou dit que j'ai donné. Il a dit, oui, Maman de Carla, c'est quelqu'un qui est gentil, elle m'a fait des dons. Pourtant, elle m'insulte. Elle est montée sur mon panel ici. J'ai dit, Maman de Carla, c'est quelqu'un qui est bien. Elle-même, souvent, elle me fait des dons. Pourtant, je la vois en l'air où on m'insulte. Où on insulte celui qui a dit son petit-fils. Qu'elle-même a dit que grand-mère certifié, petit-fils certifié là. Je la vois aller, on entend insulter mon enfant là. Elle assise là-bas, elle est dans les commentaires. Je lui ai jamais rien dit. Rien! C'est si ce n'est pas vous qui m'avez énervé là. Je ne vais pas venir sortir pour parler. Parce que hier, vous m'avez saoulé. Je ne suis pas votre merde. Vos conneries vous faites là. Vous ne pouvez pas faire ça à d'autres stars. Vous ne pouvez pas être si proche de vous, il y a quoi? Il ne faut plus que quelqu'un m'associe à moi. Si tu es avec moi, je connais. Ceux que vous voyez éparpillés là, je ne les connais pas. Ils sont venus, ils ont eu ce qu'ils ont voulu avoir. Ils veulent partir, ils n'ont qu'à partir, mais me laisser tranquille. C'est ce que Yotena a dit. Voilà. Je ne suis pas maman de quelqu'un, je ne suis pas enfant de quelqu'un, je ne suis pas grand-mère. Il dit ça en même temps. Mais personne, là, je les connais. Mais personne, je les connais. Et si je vois que tu es double face avec moi, tu dis que tu es avec moi, tu vois des gens me manquer de respect, c'est toi qui te tues là-bas, je te dépose où tu es soulevé. Discute pas trop. On n'est pas, c'est pas une prise en charge. Voilà. C'est pas une prise en charge. Si te plaît, les choses que je ne dis rien, c'est parce que les gens sont sinon, ah, il faut laisser. Ils mettent tout au clair. Si vous voyez des gens qui disent sont first class, si vous les voyez papier, ils sont pas first class. Ils sont venus, ils ont eu ce qu'ils ont voulu avoir. Le nom qu'ils ont voulu chercher, ils ont eu, ils sont partis. Moi, je continue mon chemin. Ah, c'est mes first class, je ne les partage pas. Ils se papillent pas partout. Ils sont avec moi. Je suis avec eux. C'est pour ça que maintenant, il va trier à qui je vais rendre service ou bien pour qui il a donné ma poitrine.
Vous me voyez même plus rentrer même quelqu'un dans ma vraie vie même. Parce que ça là, c'est quoi? Toi, tu as porté Kilou dans ta main. Tu as porté Kilou dans ta main. C'est-à-dire qu'avant même que Kilou va sortir là, toi-même tu es venu. Tu es venu. C'est toi-même qui as dansé. Tout le monde a vu toutes les vidéos de Kilou que tu as mis partout. C'est toi qui allais t'asseoir pendant que Kilou ne t'a rien fait. Moi, Aya, je t'ai rien fait. Tu vas t'asseoir et puis on insulte Kilou. Tu dis rien. Et puis toi, on a qu'à t'insulter. Puis tu as venu demander que moi, quand parler, tu es malade. On chier dans ta tête. Tu veux même, tu m'amènes à te manquer de respect. Pour m'énerver. Quand tu t'assois et puis on insulte Kilou, là, tu parles. Il t'a déjà appelé pour te dire que pourquoi tu ne parles pas. Et puis toi, on t'insulte. Les hommes ont dit que pourquoi moi, je ne parle pas. Tu es malade. Vous êtes malade. Ça va pas dans votre tête. Vous pensez que moi, je n'ai pas de cœur aussi. Énervez-moi. Ok, Aya, tu m'as parlé hier encore, je t'ai entendu. Yako, tout d'abord Yako. Bon, comme toi-même tu as vu, hein, on est sur la toile, rien ne se cache. On n'a pas besoin de venir te dire ce qu'on a vu. Ça va venir à toi tout seul. Hein? Moi, tout ce que je peux te dire, c'est Yako, je ne viens pas te demander pardon. Parce que pour la même personne, tu nous as demandé pardon et c'est toi-même tu l'as dit. Franchement, Yako, que Dieu t'apaise et que te fortifie. On est des êtres humains. Nos chemins seront toujours parsemés de trahisons. C'est à nous de savoir les éviter et de savoir se protéger. Moi, en tout cas, je te jure que hier, j'étais en live, j'ai vu la scène. J'ai vu le live. J'ai vu le live de Mado aussi. Et ça fait déjà un moment que je vois tout ça. Mais bon. Je suis aussi choquée et étonnée que toi. Bon, franchement, comme tu as pris le temps d'en parler, tu as percé l'abcès, tu as dit ce que tu avais sur le cœur, tout ce que je peux te dire, c'est Yako. Yako, et que Dieu t'apaise et qu'il te fortifie. Les enfants, dans ce qu'on appelle le game là, c'est ça qui nous crée toujours les problèmes. Et comme je le dis toujours, Kilou n'a rien à voir dans nos histoires. Mais bon, les mots me manquent. Yako. Aya Yako, Yako à Kilou. Yako, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Il y a des belles choses à venir. Concentre-toi sur les belles choses à venir. Je parle de quelqu'un. Oui, c'est qui? C'est Nicole, pardon. Il faut rester deux minutes, pardon, à cause de Dieu. Deux minutes, j'ai parlé parce que je suis en train de... Marie, je te demande aussi pardon si on parlait de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là, si on est sur Kilou, c'est à cause... Si, moi, je ne l'ai pas vu faire des vidéos sur Kilou. Mais, maman Clara, c'est qu'elle est venue vers moi. Et c'est moi qui t'ai dit que non, il n'y a pas de problème. Il faut écouter la dame. Donc, j'attrape tes pieds, je te demande pardon. Marie, je te demande pardon. Quoi. Tu as trop raison. Je ne savais pas que ça allait arriver là. Donc, je te demande pardon. Toutes ces personnes, fiancées, glagla, avec Pété et Imani. Parce que, t'as l'air quoi? Oh, Bissalini, ah, Mani, quand tu as confiance, il dit oui, j'ai confiance. Et puis, moi, mais c'est pas que. Aujourd'hui, même si le direct des fiancés, je suis monté. Mais comme j'étais au bar, c'est pour ça qu'après, je suis redescendu. Je te demande pardon, Marie. Je suis où il y a beaucoup de bruit. Mais je vous demande pardon. Parce qu'il y a fait encore un chemin pour pouvoir rentrer. Donc, Greg, là, Pété, il femme, ben, Je ne sais pas si tu as un mot. Marie, je te demande pardon.
Tu as raison. Non, Aya, voilà, ça, vraiment, Yako, pardon. Je te demande pardon même pour Nicole. Parce que c'est vrai que c'est elle qui vous a mis en contact. Il y a des années que tu es avec Nico. C'est pas d'aujourd'hui que tu es avec Nicole. Donc, je pense que c'est pas ça qui va vous truc. Elle a cru en la personne. Et puis voilà, ça s'est mal passé. Donc, il faut lui pardonner. Il faut te pardonner à toi-même aussi. Tu as un grand cœur. Tu ouvres ton cœur à tout le monde. Et tu prends toujours des trahisons. Il ne faut pas t'en vouloir. Ton attitude est normale. Ton comportement envers tout le monde est normal. Tout le monde n'a pas... Les gens ont le cardio pour crier, crier, mais n'ont pas le cardio de la vie active. Après, aimer les gens, soutenir les gens, comprendre les gens, être auprès des gens, être loyal. Beaucoup de gens n'ont pas ce cardio-là. Ils ont le cardio de Dagbashi. Faut pas regarder à cause de ça. Aya, pardon. Yako. Vraiment, Yako. Moi, les mots me manquent, je suis dépassée. Je pensais que j'allais venir t'embêter depuis que je suis arrivée. Ouais, Aya, Aya, j'allais t'embêter, on allait rigoler. Vraiment, Yako. Yako, pardon. Faut pardonner. Il faut pardonner, il faut essayer. Je ne te demande pas de passer à autre chose parce que c'est lourd. C'est pas facile. Moi, je vis pratiquement la même chose. Mais. On a le sang dans le corps et puis on vomit l'eau. Traoulemba, pardon. Pardon. Vraiment pardon. C'est quoi ça? Les filles, pardonnez-moi si le monsieur l'a l'air. Prenez le micro s'il vous plaît, la toupie, tu peux le micro. Les filles, voilà ce que vient de dire Aya. Vous étiez là quand maman, je suis désolée si j'ai parlé en baoulé depuis tout ce temps. Vous étiez là quand la mère Sistou est sortie sur moi, les influenceurs, surtout le dernier live qu'elle a fait sur moi, où elle a détaillé tous mes entrailles. Aya qui m'a dit. Bon, moi, à ce moment-là, moi, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai fait un bon moment, il n'était pas sur TikTok. Voilà, donc okay, je ne sais pas. Ok, je vais venir. D'accord. Concernant l'influenceur et moi, dans l'histoire de Chacha, même dans l'histoire d'élu de Dieu, elle ne nous a pas ratés. Je l'ai présenté à Viviane. Il y a eu une mésentente entre eux. J'ai payé. C'est Aya qui était là chaque fois pour demander pardon. Et si vous avez remarqué, ni influenceur, ni moi, on a répondu à cette femme parce que Aya, franchement, Aya nous a demandé de ne pas sortir. Aya, même, à un moment donné, elle était fâchée. Oui, les filles arrêtaient de la provoquer. Si elles sont, Aya nous a convoqué sur son même panel ici, un matin, si vous vous souvenez, influenceur et moi. Vraiment, elle nous demande pardon pour la mère, c'est tout. Ma personne qui est Francine Ba, le jour où elle m'a insulté, où je tremblais sur moi, Francine Ba m'a appelé. Elle m'a gardé presque 4 heures au téléphone à me demander pardon de ne pas répondre. Donc, par respect pour Aya et pour Francine Ba, on n'a jamais répondu, on a laissé tomber. De temps en temps, on la titille comme ça, mais vraiment répondre après toutes ces injures, on ne l'a jamais fait. Par respect, par considération pour Aya. J'aurais voulu que cette conversation, on l'ait eue hier ou demain ou après-demain, pas aujourd'hui. Je dis toujours que chaque chose en son temps. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Moi, depuis quelle heure? Je n'ai pas dormi. Depuis 19h hier jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore dormi. Je voulais rester éveillée pour faire l'anniversaire de la marraine. Je suis venue pour m'aider tout le monde. J'allais descendre et remonter plus tard. Malheureusement, voilà. Vous avez entendu sa colère. Vous êtes là. Je lui ai parlé en baoulé pour lui demander pardon. Je vous prie de vous joindre à moi. Pour l'apaiser. Parce que je ne peux même pas demander pardon à Aya. Quelqu'un qui te demande pardon pour quelqu'un. Et puis la même personne sans la blesser. Je ne sais pas. Tout ce que je lui demande, c'est juste vraiment que Dieu la fortifie, qu'elle puisse trouver la force de s'apaiser, de se calmer. Dans quelques heures, on va célébrer la marraine.
Elle n'a qu'à s'apaiser. Donc, influe. Comme tu es venu, tu es là. À le son. Les filles, vous êtes là. Joignez-vous à moi. Vous lui demandez pardon. Elle n'a qu'à se calmer. Elle n'a qu'à se calmer. Les trahisons font partie de notre parcours. Vraiment, merci la mère Glanga. Merci la mère Glanga. Parce que vraiment, c'est ce matin-là, moi, comme je me suis levé net, j'ai vu que Influ a lancé un live et puis Influ nous a fait écouter l'audio de la maman en question. Et j'ai eu très, très, très mal. Parce que moi, je vais me répéter encore, ça fait un bon moment, il n'était pas sur TikTok. Et quand je suis revenu, tout était mélangé. Mais je ne sais pas à qui poser question. Donc voilà, comme tout le temps, tout le monde me connaît en tant que, voilà, si tout le temps je suis la poutine ici, en tant qu'une first class. Donc moi, j'étais là. Voilà. Maintenant, ça m'a étonné. D'abord, mais une fois, j'ai vu la maman en question dans les commentaires là-bas. Il dit, aïe. Celle-là, c'est pas elle qui est la mémé des kilos. Maintenant, dans quel coup? Ces commentaires étaient bizarres, mais c'est ce qu'il dit là. Si tu toques là, on sait jamais, on faut pas aller poser question, puis ils vont te parler mal. Donc, il était dans mon coin, j'ai observé de loin, j'étais là. C'est là, aujourd'hui, quand un film nous a fait écouter, j'ai eu très mal, j'ai parlé même à un collègue. Il dit, quoi? La poutine qui tremblait, le jour, t'a insulté ici, elle tremblait sur le live, jusqu'on devait pas pleurer, mais on peut dire qu'elle pleurait. Elle pleurait même jusqu'à, elle disait, non, mais faut descendre. Allez lui dire de descendre sur le live pour qu'on l'insulte. Pour qu'on lui parle à la poutine qui est là. Là, elle s'est pas fait les trucs à peu près. Quand elle est dans quelque chose, elle est dedans. Voilà, c'est quand il la déçoit, là. C'est là, elle se retire. Donc, j'ai eu très, très mal. Et puis, quand quelqu'un fait quelque chose à la poutine, tellement j'ai mal, là. Je préfère me taire, puis c'est dans mon coin. Ça me fait mal comme ça. Donc, aujourd'hui, là, franchement, dit la poutine, pardon. Faut laisser. Tu as raison jusqu'à... Tu as raison, ma grande, tu as raison. Parce que ça, là, pour elle, là, seulement, on a vu, c'est tellement récent. C'est tellement récent. Elle aime beaucoup les aide-moi à détester. Non, comme telle personne, comme je suis la grand-mère, je suis la supposée grand-mère de Kilou. Donc, normalement, si telle personne m'insulte, Aya doit insulter la personne. Même si c'est la personne de Aya qui m'insulte, Aya aussi doit insulter la personne. Or, c'est pas comme ça, ça se passe. C'est pas comme ça, ça se passe. C'est pas comme ça, elle n'est pas sage. 5 délices, 5 délices. C'est Fanny, tu peux me laisser une minute, s'il te plaît. Non, attends, je vais chuter et puis tu vas, s'il te plaît, pardon. Tu vois, non, donc, vraiment, pardon, okay, vas-y. La poutine, pardon. C'est à cause de Dieu. Faut boire de l'eau, faut mettre l'eau dans ton vin et puis tu vas boire. Moi, je te demande pardon. Tu as trop raison, sur tous les plans même, tu as raison. En tout cas, pour le moment, je vais me muter et puis on va écouter les autres. Tu peux prendre la parole, Balthazar. Oh. Ok, c'est Fanny. Maman, je t'ai écouté sans que tu es fâchée et tout. Voilà, parce que tu ne m'as jamais parlé comme ça depuis que je suis TikTok là. Tu m'as toujours aimé, tu m'as toujours respecté. Aujourd'hui, en tant que tu dis que je suis plus first class, ça me fait mal parce que tu sais que moi, j'ai quitté depuis Facebook. S'il y a quelqu'un qui t'aime sur TikTok ici, là, c'est Fanny. Moi, je montre, tout est fini, il n'y a plus parlable, donc. Et puis, tu ne m'as jamais dit aussi qu'il ne faut pas y être parti. Si tu parlais de quelqu'un. Donc, ça fait que moi, je me dis, c'est libre. Je me promène et tout. Donc, si tu n'as pas apprécié, je ne peux pas. Voilà. C'est ma maman, tu as fait beaucoup de choses pour moi. Tu as trop fait des choses pour moi. Donc, ça me fait mal quand tu me. Voilà, quand tu dis que je suis plus first class et tout, c'est... Voilà, j'ai un peu mal. Si j'ai fait quelque chose que tu n'as pas plu, faut m'excuser. Maintenant, il demande à tata là, de se mettre avec moi pour qu'on demande pardon. Parce que Aya Robert, là, c'est quelqu'un que j'aime. Je ne vais pas regarder TikTok. Je ne vais pas regarder commentaires pour dire que c'est pas ma personne. Donc... Il était demandé pardon. Il n'y a plus me promener, il n'y a plus parti à quelque part. Je vais rester dans la first class. Pardon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Aya.